Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 16 au 20 mai 2022 pour nos amis Cancer. Cancer, c'est pour vous. N'oubliez pas de regarder signe solaire, signe lunaire. Sachant que c'est un guidance général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Alors, vous avez vu, j'ai préparé la petite table et la carte plume est tombée. Je l'ai gardée. En plus, c'est la plume or, plume magnifique. Nous allons voir ce qu'elle veut nous dire. Alors, semaine du 16 au 20 mai, n'oubliez pas la pleine lune de notre lundi 16, pleine lune en scorpion à 6h14 exactement. Alors, la plume or, oh, ami Cancer, abondance. Je savais que c'était une très jolie plume. La plume or vient révéler que vous avez acquis une clé majeure dans votre parcours initiatique ici et maintenant. Cette plume vous propose d'accepter l'énergie d'abondance. C'est la consécration. Elle vient activer les énergies de gloire et d'honneur auxquelles votre âme a droit. À l'origine de l'envoi de cette plume, le royaume céleste incluant vos guides, vos défunts protecteurs, les anges et les archanges. Plume de l'abondance avec la protection et bénédiction de tout le monde. Magnifique message, ami Cancer. Alors, deux cartes avec le téléma pour voir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. Ensuite, le tirage avec le téléma, le petit Lenormand. Deux cartes pro, deux finances, deux sentimentales et deux activités hobby. Quelles sont les deux énergies principales? Des discussions. De la discussion où un voile va être levé. Vous voyez clair hein, dans certaines choses. Il y a de l'émotion là. Il y a peut-être aussi des discussions qui vont vous toucher émotionnellement. Peut-être aussi que les discussions vont être un petit peu vives au départ. Hein, mais elles vont vous toucher. Là, on voit très bien que vous avez aussi, vous allez mettre en avant vos intuitions sur quelque chose qui va être... mis en avant, éclairé. Alors, professionnellement, ami Cancer, semaine du 16 au 20, ça bouge. Alors, j'ai beaucoup vu cette semaine au niveau activité professionnelle du mouvement, hein, pour beaucoup de signes. Ça bouge, ça change, il y a des déplacements. Peut-être que vous allez partir en formation. Peut-être que vous changez de travail, tout simplement. Il y a du mouvement, en tout cas, professionnel pour certaines personnes cette semaine. Si vous n'êtes pas dans le domaine, dans votre activité, si vous ne travaillez pas, faites attention lors d'un déplacement, qu'il n'y ait pas quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Qui est pas voilà, si vous vous déplacez, qui se passe pas un truc qui ne quelque chose qui n'aille pas, voyez, faites attention aussi aux personnes que vous allez rencontrer. Alors financièrement c'est prospère et on a des nouvelles qui arrivent là, hein. On a de la fluidité en tout cas. Financièrement on a une grosse somme d'argent qui risque de rentrer, ami Cancer.
on va après découvrir ce qui, oui, plus. Mais tout de suite d'emblée, on voit une grosse somme d'argent qui risque d'arriver. Voyez comment ça vous parle. Alors, sentimentalement, il peut y avoir au milieu d'une réjouissance, au milieu d'un quelque chose, d'une fête, de quelque chose où il y a du monde, eh bien, l'impression que vous mettez fin à quelque chose. Alors, ou vous mettez fin à une relation, ou vous n'avez peut-être pas envie d'aller à cette fête aussi. On peut voir que il y a comme une solitude, même s'il y a du monde, même si vous êtes à un endroit où il y a une réjouissance et du monde, vous vous sentez seul. C'est comme si vous vous isoliez, voyez. C'est comme si également sentimentalement, là, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un, vous avez le sentiment que ça ne va pas, que vous dépérissez, que la relation, elle avance pas. Pour certaines personnes, vous pouvez vous sentir seul, là, hein. Bon, on recouvrira après pour voir un petit peu tout ça. Alors, ah, mais avant, faudrait peut-être... Ben, je la mets là, parce que là, j'ai fait une erreur. Alors, des discussions, on coupe. Oh là là, relationnellement, il se pourrait bien qu'on passe à autre chose, là, hein. On coupe. Il peut y avoir des discussions tranchantes au niveau relationnel, pas loin peut-être de la colère, de la dispute avec ce 7 de carreau. Peut-être aussi que c'est vous qui allez, vous ou autour de vous, hein, vous allez peut-être mettre fin à des relations, mettre fin à ou de la communication peut-être. On vous dit quand même de dire ce que vous pensez, bien entendu, hein, bon, il faut, vous allez de toute façon discuter, mais peut-être que vous allez être tranchant au niveau relationnel, là, hein, attention, vous allez trancher dans le vif, hein, vous allez couper, hein. On va vous recouvrir après. Alors, pourquoi j'ai voulu? Bah, parce qu'il va y avoir un choix. De toute façon, il y a un choix. Donc, vous allez effectivement au niveau relationnel, peut-être avec des relations d'ailleurs, hein, des amis, la famille, vous allez couper et vous allez prendre une nouvelle direction. Alors, professionnel, financière, sentimentalement, et bon, j'en remets une, hein, sur les relations, mais on voit bien que de toute façon, il y a un nouveau choix qui se décline. Alors, professionnellement, il y a de l'abondance, les amis, il y a de l'abondance, il y a des bonnes nouvelles. C'est beau, ça bouge. On est bien sur des nouvelles qui arrivent là où on va aller les chercher, on y va, ça bouge en tout cas. Il y a une fluidité, hein, il y a... Est-ce qu'il y a beaucoup, plusieurs propositions qui vont vous être faites aussi pour certaines personnes dans le domaine professionnel? Ça peut, on peut voir ça comme ça. Il peut y avoir du travail, en tout cas, il y a du succès dans vos initiatives, là. Il y a un certain succès. Il peut y avoir des propositions qui vous sont faites, hein. Plusieurs propositions. Il y a on voit très bien que là, il y a peut être lié à votre contrat. Ou bien... Oui, ça peut être lié à votre contrat. Vous voyez comment ça vous parle, ou une proposition de contrat en tout cas. Une proposition peut-être de déplacement, justement, c'est peut-être ailleurs que ça va se passer. On va peut-être, votre travail change. Pour certaines personnes, on va vous faire une proposition de travail qui va vous amener peut-être à vous déplacer aussi. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Alors, financièrement. Mais oui, il y a quelque chose de beau qui se passe, là, une rentrée d'argent, quelque chose qui va se faire avec, on va dire, sincérité, avec loyauté. Alors, est-ce que des fois, l'argent ne vient pas aussi d'amis? Vous voyez, avec, pour certaines personnes ou des associés, et si vous étiez en partenariat avec quelqu'un, vous voyez, un actionnaire, par exemple, voilà, je cherchais le mot. Est-ce que, de ce fait, il y a de l'argent qui arrive, des royalties, j'ai envie de dire, qui tombent.
Parce qu'il y a des nouvelles solutions qui arrivent quand même, hein. On voit bien que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, des nouvelles solutions, de la prospérité, de l'argent. Est-ce que c'est en partenariat aussi avec d'autres personnes? Voyez comment ça vous parle. Sentimentalement. Oh là. Sentimentalement, les amis, j'aurais préféré vous sortir d'autres cartes. On voit quand même que. C'est difficile, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est du bien-être dans votre relation, hein. Vous voulez de la longévité, mais on voit que vous allez y mettre fin quand même parce que de toute façon, il y a de la trahison autour, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là au niveau sentimental. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver un sentiment de bien-être. Ça déjà, c'est ce qu'on peut voir. Et si comme ça ne va pas, que c'est pas ce que vous attendiez sentimentalement, j'ai le sentiment que vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin parce que c'est peut-être que la personne autour de vous n'est pas ce que vous attendiez. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous avez eu la trahison sentimentalement, ou bien là, autour de vous, vous avez rencontré quelqu'un qui est dangereux. Vous voyez comment ça vous parle. Dangereux, je veux dire séducteur, séductrice, hein. Vous, ce que vous voulez, de toute façon, c'est la croissance, le bien-être. Mais, vous allez quand même devoir mettre fin parce que la situation n'est pas claire sentimentalement. Ouais. Vous allez être guidé. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Vous-même allez savoir ce que vous devez faire. Vous êtes sur la bonne voie. Voyez comment ça résonne en vous. Vous voulez un bien-être, vous voulez être bien. Vous sortir aussi des fois de ces sentiers battus. Parce que là, en ce moment, là, on voit qu'il y a des sentiments qui sont mélangés là. De mensonges, voilà, on veut mettre fin. En même temps, on veut une belle évolution, on veut une belle stabilité. Voyez comment ça résonne, hein? Alors, relationnellement, on coupe, et oui, pour de la nouveauté. On va vers quelque chose de nouveau. Alors, on coupe les relations, on est bien d'accord. Relationnellement, on fait du ménage, peut-être, autour de soi. On prend une nouvelle décision, on prend une nouvelle orientation. Hein, même si on a hésité, on va l'apprendre et on démarre quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'on démarre de nouvelles relations, peut-être que c'est même certain, on démarre quelque chose de nouveau, on va vers la nouveauté, en tout cas relationnelle, hein. Voilà, on coupe et on démarre quelque chose de nouveau. Ami Cancer, voyez comment tout ça résonne en vous, puisqu'on voit beaucoup de discussions, hein, qui sont amenées. C'était vos énergies principales d'ailleurs, hein. Il y a de l'émotion dans de la discussion, mais là on retrouve la discussion plutôt un peu vive, hein, pour partir sur un nouveau chemin, sur quelque chose de nouveau. Voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que ce tirage va vous parler. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien. Merci de mettre des pouces j'aime. Ça fait grandir la chaîne au niveau de visibilité. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine, amis cancers, et je vous dis à bientôt.